officiellement beaucoup été, mais nous pas le moins été à là et grand pile côté qui commençait à faire chaud. Même côté il y a là jeudi à là, il était fait 33 degrés zone 2-3 heures. Ça veut dire il commençait à faire chaud. Eh bien, mon qui t'a prendre des fresco yo, eh bien ballon. OK, nous pas besoin de temps de commencer à faire 36 degrés à Haïti là ou bien 38 40 degrés parce que j'ai grand année besoin j'ai 2017 ou 2018, vous t'es pour 40 degrés. OK? Bon. Alors, même mon Canada, la semaine qui se passe là, il y a 26 degrés, ça veut dire comment c'est fait chaud. Eh bien, nous connaissons, il y a une boisson qui est de nous baisser chaleur, c'est fresco. Soit facile. Bon, il y a un côté qui a des petits variants, il semble avec IC, il semble avec fresco. Mais si on a envie de replonger dans fresco, nous avons en Haïti. Dans fresco, moi-même, nous avons acheté sur route Delmar, mais plus sur route La Lua, eh bien, c'est fresco ça que nous allons faire. Nous allons faire sirop original haïtien fresco nous remet. OK? Avec petit goût essence anis là. OK? Et bon, de toute façon, faut chercher jaune. Bon, monde qui en Haïti, on a joué parce que machin fresco de toute façon, c'est lié utilisé gel en Haïti. Moi même t'ai wel dans Saint-Domingue, l'ai passé Saint-Domingue, n'ai t'ai wel dans marché Saint-Domingue. Donc bon alors si ne pas joindre ni dans l'autre côté yo m'a mettre lien dans description hein n'a pas commander sur internet parce que si on a pas fait sans extrait sans essence anis là. OK, donc je dis à là nous pour aller montrer nous comment on fait boisson ça pour nous faire petit monde peut-être qui pas comprendre ce qu'on comprend replonger là-dedans et nous même tout comme grand monde qui gagne longtemps pas bon fresco et bien désormais n'a pas faire avec recette ça. Merci pour tout le monde qui toujours like vidéo yo. Like yo nous besoin. OK? Parce que plus on like, plus on interagit, plus on commente dans vidéo, c'est plus YouTube qui offre le monde pour well et plus monde qui well, chaîne n'a grandi et depuis chaîne n'a grandi, n'a joindre toutes recettes nous mandé. Donc, on pas perdu rien, on pas déranger dans rien sous like. Au contraire, on peut aider chaîne ou aimer chaîne qui est loin avancer. Merci pour tout le monde qui va faire ça. Merci pour tout le monde qui est abonné. Voilà, actuellement là, nous avons 104 000 abonnés. OK? Et puis, merci spécial à nos membres. OK? Mon ça, c'est le monde qui a cliqué à un moment donné sur le bouton Join ou bien rejoindre et puis qui a choisi une plan. Si vous voulez supporter la chaîne dans tout, il y a une façon au café. OK? Au café par PayPal. Non, vos contributions là sur gaspardorelien@gmail.com ou bien si ça n'a pas été au café par mon cash, OK, dans le numéro ça 36 72 25 58. Merci en pile pour tout le monde qui a supporté nous. On a regardé tout ça a besoin comme ingrédients et comme matériel pour nous faire sirop et fresco la fête saveur. Attention. Ça c'est ensemble ingrédients on a besoin pour nous faire sirop pour fresco ensemble avec fresco de façon générale. Pour faire fresco après bah, on a besoin c'est glace, OK? On a besoin blender pour deux raisons, pour deux causes. On a pour être puis devant, on a besoin un petit pistache, un petit noix avec un petit amande pour faire fresco. Alors, pour nous présenter fresco bien, on a besoin de cup. Cup, yo vanilla, yo présenté là en Haïti. Quand on a fait 4 qualités de sirop, on a fait 2 sirops à part. Nous avons là 2 tasses de sucre blanc. Nécessairement, c'est sucre blanc boulier.
Dans si on gagne pour faire yo, nous va le faire sirop cocoyer là on gagne yo deux tasselettes cocoyer. On a besoin de deux tasses de l'eau tout. Nous gagne pour faire sirop grenadier, on a besoin grenadier là. Là on gagne 6 grenadier. Nous va extrait jus grenadier mais extrait concentré. OK? Pour si au grenadier nous a bien goût. On a besoin l'étoiler, on a besoin morceau cannelle. Une si on a fait aussi sirop vert, là nous gagne un colorant vert mais qui à base de menthe. Là nous gagne un colorant rouge qui à base de fraise. On a besoin essence vanille blanc et puis une indispensable essence n'a besoin pour nous faire sirop pour frescoa, c'est extrait d'anis ou bien essence anis. OK, là sous bagayel ou pas faire fresco haïtien. Voilà, c'est ensemble ingrédients ça yo avec matériel ça on a besoin pour nous faire fresco, si au fresco qui pi populaire en Haïti. Grenadia, cocoyer, sirop vert, sirop rouge. On gagne deux chaudières de mettre chaud là, c'est nous allons faire deux sirops différents. Premier sirop on va faire c'est ça ou les sirop blanc, sirop incolore là. Bien que il y a possibilité pour petit couleur parce que on va prioriser goût sous couleur. OK? Bah mettez cannelle. Cannelle là, va le bal le meilleur goût mais il se peut que cannelle là colore. OK? N'a mettez, n'a commence avec sirop blanc. Si vous avez deux sirop blanc, mettez deux tasses l'eau. OK, on va mettre en pile pour pas trop colorer et tout. Un petit morceau cannelle. On va mettre deux trois à l'étoiler là-dedans. Et puis on va mettre une tasse de sucre pour deux tasses d'eau. OK, on va faire un sirop. Là son demi-tasse. Okay? Mettons l'autre demi-tasse encore qui fait une tasse. Là, on a quitté la bouille. Maintenant, deuxième sirop on va le faire, c'est sirop et puis faut haïtien était toujours aimé hein, que on pile dans le pas acheter à tout longtemps. C'est cocoyer. Mais ça fait bon bichet. Qui était toujours bon bichet. Là, il y a deux tasses lait cocoyer. OK? Et bien, on va mettre là-dedans tout. Deux tasses lait cocoyer. De on tasse sucre tout. OK? Donc là, voilà. On tasse sucre. Et puis pour nous balle goût toujours, on va mettre un petit morceau cannelle avec deux trois les doigts. OK? Et bien si vous ça ça là, on va le quitter jusqu'à ce que sucre la fonde avant on a fondi boissel pour de sucre le sucre là aller fondre vite. OK, OK, là fond quitte là réduit jusqu'à 30 à n'importe 40 minutes. OK, pour si on a fait il peut peut-être demander de plus de temps mais en attendant 30 à 40 minutes à supposer suffisant pour que si on a fait. OK, pendant si on a fait là, nous allons occuper de l'autre baguette. OK, pendant si on a bouilli parce que ça va prendre un petit temps, on commence à préparer une jus n'a besoin pour nous faire une sirop. C'est sirop grenadier. OK, eh ben on va commencer, nous va chercher et prendre extrait sirop jus grenadier concentré. OK, juste couper. OK, n'a juste coupé grenadier. OK, et puis mettez au dans blender.
pour nous jouer un jus grenadier concentré, pour qu'il y ait vraiment des bons jus pour grenadier, on va mettre un peu de l'eau là-dedans. On va juste blender. Ok, il est un bon. Ça m'a fait, c'est juste verser, passer le passoir, puis avec mon cuillère. Ouais, ça m'a fait un crème de grenadier, c'est le même genre d'affaire. Ok, pour nous jouer un jus de grenadier concentré qui est bon bois. Ok, bonjour grenadier. Nous allons pour mettre de l'eau liquide là-dedans du tout. Ok, pour nous là, nous gagnons jus de grenadier très concentré. Ok, nous finissons avec l'étape ça. Ok, là nous remarquons qu'il y a quelques graines de grenadier qui écrasent, qui passent dans un passoir de l'avance. Un gros passoir qui gagne gros jus. Là, nous prenons une décision par soi qui est plus petit pour recouler. Ok? Comme ça, nous avons un jus grenadier qui sans tache. Ouais? Tu vois ça que tu es passé dans notre gros passoir. Il y a un passoir qui est plus fin. Ok? Nous repassons pour que le petit morceau de grenadier qui est passé. Là, nous suivons tout à l'heure. En fait, même si nous avons un passoir. Bonjour, vous faites un petit passoir fin. Vous avez regardé là. Ok? Nous avons toute quantité de graines qui sont cassées, qui sont là-dedans. Donc, avec un petit passoir fin, ça, vous comprenez? Vous pouvez dire merci pour avoir ça. Nous avons bien des graines qui sont cassées, résidus de graines grenadières qui sont là. Ok? Voilà. Là, nous avons un jus qui est non seulement concentré, mais qui est pur. Ok? Partie ça là, fini pareil. On retourne kounya là dans Simoy. Ok, alors nous songe nous te parlé de l'eau de cannelle avec l'étoilia qui va colorer de l'eau Simoy nous. Mais ça n'a fait. Là nous estimer grenadier bouilli avec Simoy assez là et pas grenadier non. Cannelle avec l'étoilia bouilli avec assez. Donc goût nous te besoin tirer de cannelle là nous gagne. Et ben n'a pour tirer yo. Ok, parce que plus vous quittez, c'est plus possibilité de gagner pour colorer si vous voulez. Donc, on va retirer. Là, nous prenons goût cannelle là déjà. On va retirer le tout. Cannelle à l'étoile, non. Si vous cocoïa. Ok, cocoïa, ça nous vient bien là. On a le vin tant coup. Il y a une espèce de crème cocoïa. Nous avons une crème cocoïa. Il y a une boîte dans la maquette. Il même ou plus utilisé pour faire dessert au lieu de lait de cocoïa. Il faut faire différence entre lait de cocoïa et sirop de cocoïa. Donc, le bouillon là avec sucre là, il vient boire exactement le même goût. Ok? Avec crème cocoïa. Donc ça veut dire on dit sous table fait piña colada. OK, ou pas joindre crème cocoïa acheter ou ka faire ou même. Et piña colada c'est pas avec lait de coco il fait, non, il fait avec crème cocoïa. OK. Bon. Si vous nous on a quitté au réduit toujours. OK. Et puis après on va passer dans l'autre phase. Ok, alors, il y a une astuce que je vais vous donner. C'est blender, on va l'utiliser pour craser la glace. Là. On va mettre la glace gragée pour faire ce qu'on a. Ok, eh bien, avant d'utiliser pour craser la glace, là, on va mettre dans le freezer pour le freeze. Ok, on va mettre pour le blender dans le freezer. Pour sortir freeze d'un coup ta bon bien en vin qui givré. Ok, on va mettre dans le freezer. Nous faisons ça déjà pour sirop en cocoïa. Ok, avant arrivant à un certain moment, nous mettez un bouchon essence vanille là-dedans. Nous mettez deux bouchons
essence anis là. Et puis n'a quitté le continuer bouilli réduit. OK, essence sirop cocoïa lui-même pour moi instant, il est préparé. OK, n'a tente toujours pour sirop blanc. OK, bon, là nous va faire sirop coco fin ferme. Là, nous gagnons sirop cocoïa. OK? Mettre la quantité là, nous besoin là. Mais nous allons rien faire là-dedans encore. OK? Si vous ça, pareil. Maintenant, on fait le premier sirop grenadier là. OK? Mettre la quantité ça là. Et puis, juste mettre du concentré grenadier noir là. Nous mettons un petit bol noir en 3/4. Et puis, le reste là c'est grenadier. Mélangez. Ok, moi. Oh my god. Ok, maintenant, à nous faire. Sirop rouge noir. Et puis, avec colorant ça qui est à base de fraises rouge là, on va mettre des bouchons. On va mettre un bouchon ici. Je suis sûr que la rouge assez. Mélange. Voilà, on a notre sirop rouge. On a les bouts de sirop vert là-bas. Voilà. Ok. Grenadia, cocoyer, grenadia, rouge, vert et puis blanc. Bon, il n'y a que blanc, pas vraiment blanc, j'en ai dit le noir. Bon, cannelle là, tu as décoloré. Si on veut le plus blanc, juste pas mettre. Juste pas mettre cannelle. Cannelle avec anissa. Yeah. Mais moi, j'ai priorisé le goût sur la couleur. Oh, dans blanc, on va ajouter une anissa. L'essence anissa. C'est dans le début de la bouillie à me DVD. Oh, chiffre. Sorry, sorry, sorry. Ok. Ah, justement, parce que tu as si vous avez un goût à tout. Voilà. Ok, maintenant, bon, y a là, nous allons passer à la glace là. Ok? Ok, nous sommes des dînes, il faut mettre un verre ou bien pot blender à givré, il faut mettre dans le freezer pour bien glacer. Nous mettons glace à la dedans, nous allons casser la glace rapidement. Alors, il y a une fonction blender qui est Pulse, P-U-L-S-E. Ok, c'est avec nous qui moulin glace. Ok, la pesée. Ok. Maintenant, avec nous changer qui est ça, qui est glace là. On prend une glace et puis mettez nos cups. Pas mis son fil. Ok, ça a fini. Ça
Là, on saute mon lingas. Encore. Ok, il y a 5 fresques que nous là. Maintenant, on va ajouter du sirop. On va peut-être commencer avec sirop cocoïa. Ok. Ok, le temps de sa présentation, on met-il dans le freezer. Ok, grenade à Kounia. Presque qu'on boit c'est la qui est là, ça c'est tout un art que je ne maîtrise pas. Ma pas boire celle d'un coup j'ai un renouvel là. Ok, si vous vous venez amande si là qu'on oublie de se faire pour faire faillite dans les jours dans chaque vous avez mis des piles si vous ça oui c'est avantage de faire la carreau j'ai goûté de la boue machin de personne fait ce que vous dites ah ouais mais si vous assez parce que si vous assez là mais on fait la carreau mais quand tu te si vous voulez. Dernier lieu, sirop blanc. Ok. Mais c'est ce que nous parlons, on parle pour la présentation. Nous avons fait sirop pour plusieurs jours. Glace là, c'est juste. Et moulin dans un blender, mixé dans un blender, un food processeur et puis bâton. Ok? Pour nous craser chaleur. Et comme si nous avons dit, nous avons déjà dit, t'es fait 33 degrés aux zones de 2h-3h. Donc, jusqu'à là, il fait chaud. Ok? Bon, malheureusement, si vous faites avec sucre, mais goûteuse là va rapidement dire est-ce que c'est fresco de qu'on mange et que de qu'on prend acheter devant Kaimer Boudon. Bon, ça pire bon, et plus sirop, etc. Mais est-ce que le sirop est bon? C'est certain, je ne sais pas si je vais faire un sirop, bien. Salut tout le monde!
C'est toujours le même plaisir. Bon, commencez à blanc. Qui est beau, glacé en bas, voilà le nom de glacé. Mais bon, le pied est là. Il goûte, mais si ça veut, vous dites, c'est Anis Lagbali. Je comprends. L'école là, je vais vous dire, parce qu'on va vous dire. Assez sur Anis. Bien. Mais si c'est qui est là, il y a quelques moments. Vous m'avez joué, non? Des graines, hein? Oh, Grenadia, justement, vous m'avez. Il y a un petit goût sur Grenadia, vous m'avez. Comme son Grenadia. Comme Grenadia, il n'a pas préféré, mais je Grenadia est juste préféré. Donc, moi, c'est même si vous avez dit que Grenadia, vous n'avez pas connu, c'est Grenadia, il y a toujours. Il m'aime, parce que je vais me voir. Ou bien le fond. Parce que bien là, on bouffe ce qu'on a, justement. Eh bien, peut-être si au blanc, même si c'est pas le mettre en deuxième, il va changer. Il y a un temps passé sur les lags, il y a un monde, il dit, bon, songez, il y a un affaire là. Pour moi, c'est Bailly. Bailly et Bibouel. Moi, pas là. Pour l'homme d'affaire mise en place là, préparer cet espace là. Donc, si on a gagné. En pile temps là dedans. Bien là tout la sagette et là que dans rouge là. La sagette au fond là dedans. Tant le point parce que ma mère va être trop douce. Mais en même temps, moi aussi j'en perdu. Oui. Non. Tant alors. Fresco. Regardez-moi ça. Pourquoi il s'était préféré sans c'est tout point. Comme ça, on va en bas. Et même moi, la vie, il attend. C'est bon. Votre problème, il est sensible. Okay. Il va me battre après toi. Et puis, on va mettre tout de suite là sur ma photo. Mais sinon, goûter au chat. Ça, moi personnellement plus satisfait de là jusqu'à présent que je dirais mais c'est Grenadia. Mais ça qui bon goût fresco petit pic là c'est vert là. Okay. Ça par contre ça crie vers l'opio mais il y a style goût hein, il y a style bon mais n'a pas les deux ça qui rapproche le plus de fresco nous devons manger devant l'école là nous devons boire devant l'école là. C'est bien là. Donc en fait, c'est bien là qui est champion, on a dit. Mais pour mon goût personnel, c'est Grenadia mon préféré. Ok. Moi, je suis la Grenadia. Tu donnes toutes les couleurs à son mec. Oui, perfectly perfect. Bon, eh bien, nous allons commencer à retourner et où ça a quitté baissé en face. Non? Si tout le monde qui est à peu près là, là, avec nous, parce que le fresco, c'était un incontournable. Hein? Donc, tout le monde l'école, pour prendre fresco, c'était un must. Il faut avoir fresco. Bon, on va toujours bien comme vous prendre fresco à Cocoïa, mais petit blanc, pour prendre tout le monde dépend de la dedans. Mais on y a là, comme Charlie a commencé à monter en pile côté, même Canada. Donc, nous commandons qu'à craser Charlie avec un bon fresco à la haïtienne. Ok? Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine recette côté de l'autre. Recette typiquement haïtienne. Combien de nous là que qu'on mange bonbon sirop? Hein? Même moi, je ne sais pas. Oui, machin, yo que qu'on promène. C'est tout, surtout machin, qui a promené, même avec les pains patates. Eh bien, je vais vous montrer la prochaine recette là, comment on fait bonbon sirop. Pareil. Ok? À bientôt pour notre recette. À fond, c'est à ah, que de souvenirs, hein? Qu'est-ce qu'on a fait ça là? Admire, admire, bois des yeux, bois des yeux.
spécialement pour le été, mais nous pas loin été à là et grand pile côté qui commençait faire chaud. Même côté il y a là jeudi à là, il était fait 33 degrés zone 2-3 heures. Ça veut dire il commençait faire chaud. Eh bien, mon qui t'a prendre des fresco yo, et même ban. OK, nous pas besoin de temps de commencer faire 36 degrés Haïti là ou bien 40 degrés parce que et qu'on a des besoins, j'ai 2017 ou 2018, vous êtes pour 40 degrés. Ok? Bon, alors même mon Canada, vous avez se passé à là, vous êtes pour 26 degrés, ça veut dire comment c'est fait chaud? Eh bien, nous connaissons, il y a une boisson qui est dans le PC chalet, c'est fresco. Soit à l'étranger, surtout, je ne dis pas facile. Bon, il y a un côté qui a des petits variants, il semble avec IC, il semble avec fresco, mais si vous avez envie de replonger, dans le fresco de voué en Haïti. Dans le fresco, moi-même, dès qu'on achète sur route d'Elma, mais plus sur route de la Lua, eh bien, c'est fresco ça que nous allons faire. Nous allons faire sirop original haïtien fresco nous remet. Ok? Avec petit goût essence anis là. Ok? Et, bon, de toute façon, il faut chercher jaune. Bon, le monde qui est en Haïti, on a besoin de parce que machin fresco, de toute façon, c'est lié à utiliser Gael disponible en Haïti. Moi-même, je suis dans la maquette Saint-Domingue, je suis passé Saint-Domingue, je suis dans la maquette Saint-Domingue. Donc, bon, alors, si vous pas joué dans l'autre côté, je vais mettre le lien dans la description, je ne vais pas commander sur Internet. Parce que si vous n'avez pas fait sans extrait, sans essence anis, là. Ok, donc, je dis à la, nous pourrons vous montrer nous, comment vous faites boisson ça, pour vous faire un petit monde peut-être. Qui par contre fresco, vous comprenez? Replonger la dedans et nous même tout comme grand monde qui gagne longtemps pas bon fresco, et bien désormais n'a pas fait avec le set ça. Merci pour tout le monde qui toujours like vidéo, like yo nous besoin, ok? Parce que plus on like, plus on interagit, plus on commente dans vidéo, c'est plus YouTube qui offre le monde pour well. Et plus de monde qui well, chaîne n'a pas grandi. Et depuis chaîne n'a pas grandi, n'a pas joué toutes les recettes nous demandées. Donc, on ne peut pas perdre un yen, on ne peut pas déranger dans un yen sous like. Au contraire, on peut aider chaîne ou aimer, chaîne qui est utile ou avancer. Merci pour tout le monde qui va faire ça. Merci pour tout le monde qui est abonné. Voilà, actuellement là, nous avons 104 000 abonnés. Ok? Et puis, merci spécial à nos membres. Ok, mon sao, c'est mon qui t'a cliqué dans un moment donné sur le bouton join ou bien rejoindre et puis qui t'a choisi un plan. Si vous voulez supporter la chaîne dans tout, il y a une façon au café. Ok, au café par PayPal, dans vos contributions là sur gaspardorelien@gmail.com ou bien si ça n'a été oublié au café par mon cash, ok, dans le numéro ça 36 72 25 58. Merci en pile pour tout le monde qui a supporté nous. On a regardé tout ça qu'on a besoin comme ingrédients et comme matériel pour nous faire sirop et fresco à la saveur. Attention! Ça c'est ensemble ingrédients qu'on a besoin pour nous faire sirop pour fresco ensemble avec fresco de façon générale. Pour faire fresco après on a besoin c'est glace, OK? On a besoin blender pour deux raisons, pour deux causes. On a pour être puis devant, on a besoin un petit pistache, un petit noix avec un petit amande pour faire fresco. Alors, pour présenter fresco bien, on a besoin cup. Cup yo vanni a représenté là en Haïti. Quand on a fait 4 qualités sirop, on a fait 2 sirop à part. Nous gagne là 2 tasses sucre blanc. Nécessairement c'est sucre blanc boulier.
dans sirop nous pour faire nous va faire sirop cocoyer là nous gagner yon 2 tasselettes cocoyer n'a besoin de 2 tasses de l'eau tout nous gagner pour faire sirop grenadier n'a besoin grenadier là là nous gagner 6 grenadier nous va extrait jus grenadier mais extrait concentré OK aussi pour si au grenadier noir qui a bien goût n'a besoin à l'étoiler n'a besoin au morceau cannelle. Une si on a fait aussi au vert, là nous gagnons un colorant vert ben qui à base de menthe. Là nous gagnons un colorant rouge qui à base de fraise. N'a besoin essence vanille blanc. Et puis une indispensable essence n'a besoin pour nous faire sirop pour frescoa, c'est extrait d'anis ou bien essence anis. OK, là sous bagayel ou pas faire fresco haïtien. Voilà, c'est ensemble ingrédients ça yo avec matériel ça on a besoin pour nous faire fresco, si au fresco qui pi populaire en Haïti. Grenadier, cocoyer, sirop vert, sirop rouge. Gagner deux chaudières de mettre chaud là, c'est nous va faire deux sirops différents. Premier sirop nous va faire, c'est ça, le sirop blanc, sirop incolore là. Bien que il y a possibilité pour un petit couleur parce que nous va prioriser goût sous couleur. OK, mettez cannelle. Cannelle là, pour le bal le meilleur goût, mais il se peut que cannelle là colore. OK, mettez, n'a commence avec sirop blanc. Si vous avez deux sirop blanc, mettez deux tasses. OK, n'a mettez nous mettre en pile pour pas trop colorer tout. Un petit morceau cannelle. N'a mettez deux trois à l'étoile là-dedans. Et puis n'a mettez une tasse sucre pour deux tasses d'eau. OK, nous allons faire sirop. Là sont demi tasse. OK, mettons l'autre demi tasse encore. Qui fait une tasse. Là, on a quitté la bouille. Maintenant, deuxième sirop, nous allons faire, c'est sirop et puis faut haïtien était toujours aimé hein, que on peut pas pas acheter à tout longtemps. C'est cocoyer. Mais ça fait bonne bichet. Qui était toujours bonne bichet. Là, il y a deux tasses lait cocoyer. OK? Et bien, on a mis là dans tout deux tasses et lait cocoyer. Deux, on tasse sucre tout. OK? Donc, mais, voilà. On tasse sucre. Et puis, pour nous faire le goût toujours, on va mettre un petit morceau cannelle avec deux, trois à l'étoile. OK? Et bien, si vous ça a là, on va le quitter jusqu'à ce que sucre la fond avant on a fonti boissel pour être de sucre, sucre là aller fondre vite. OK, OK, là fond quitter là réduit jusqu'à 30 à n'importe 40 minutes. OK, pour si on fait des cas peut-être demander plus de temps, mais en attendant 30 à 40 minutes à supposer suffisant pour que si on en fait. OK, pendant si vous a fait là, nous allons occuper de l'autre baguette. OK, pendant si vous nous yo a bouillir parce que ça va prendre un petit temps, on commence à préparer une jus n'a besoin pour nous faire une sirop. C'est sirop grenadier. OK, eh ben n'a commencer nous allons chercher et prendre extrait sirop jus grenadier concentré. OK, juste couper. OK, n'a juste couper grenadier yo. OK, et puis mettez-vous dans le blender.
joindre jus grenadier concentré pour qu'il y ait vraiment des bons jus pour grenadier, pour mettre un peu de l'eau là-dedans. On va juste blender. Ok, il est temps bon. Et là, ça m'a fait, c'est juste verser le, passer le passoir. Puis, je vais prendre cuillère. Ouais, c'est la fait. Un crème de grenadia, c'est même j'en ai fait. Ok, pour nous un jus de grenadia concentré qui est bon bois. Ok, bonjour grenadia. Nous allons pour mettre de l'eau liquide là-dedans du tout. Ok, pour nous là, nous gagnons jus de grenadia non très concentré. Ok, nous finissons avec l'étape ça. Ok, là nous remarquons qu'il y a quelques graines de grenadia qui écrasent, qui passent dans le passoire de l'avance, un gros passoire qui gagne gros jou. Là nous parlons d'un passoire qui est plus petit pour recouler. Ok, comme ça nous gagnons un jus de grenadia qui sans tache. Ouais, vous voyez ça qui est passé dans notre gros passoire. Un passoire ça plus fin. Ok, nous repassons un petit morceau de graines. Grenadier qui est passé là, nous suivons tout à l'heure. En fait, même si nous avons un passoire gros jour, nous avons un petit passoire qui fait. Vous en avez regardé là, ok? Nous avons toute quantité de graines qui sont cassées, qui sont là-dedans. Donc, avec un petit passoire fin, ça, vous comprenez? Vous dire merci pour suivre ça. Nous avons bien un graine qui casse résidus grenadia qui était. Ok? Voilà. Là, nous avons un jus qui non seulement concentré, mais qui pur. Ok? Parti ça là, fini paré. On retourne dans le siwoyo. Ok? Alors, nous sommes j'ai parlé de cannelle avec l'étoile qui va colorer de l'eau siwoyo. Mais ça n'a fait. Là, nous estimons grenadia bouilli avec. Si vous avez assez, là, et pas grenadier, non? Cannelle avec un étoile, il y a bouillé avec assez. Donc, quoi, nous avons besoin de tirer de cannelle là, nous gagnons. Eh bien, nous avons tiré. Ok, parce que plus vous quittez, c'est plus possibilité de gagner pour colorer si vous avez là. Donc, nous avons tiré. Là, nous prenons goût cannelle là déjà. Nous avons tiré le tout. Cannelle à l'étoile, non? Cocoïa. Ok, cocoïa ça nous vient bien là, on y a vient tant coup, il y a une espèce de crème cocoïa. Nous connais crème cocoïa, il va venir dans boîte et dans maquette. Les mêmes ou plus utilisé pour faire dessert au lieu de lait cocoïa, faut différentes différence entre lait cocoïa et sirop cocoïa. Donc le bouillir là avec sucre là, il vient bon exactement même goût. Ok, avec crème cocoïa. Donc ça veut dire, on dit sous table fait pina colada, ok, ou pas joindre crème cocoïa acheter ou café ou même. Pina colada, c'est pas avec lait cocoïa le fait, non, le fait avec crème cocoïa. Ok, bon, si vous nous on a quitté au réduit toujours. Ok, et puis après, nous allons faire notre phase. Ok, alors, il y a une astuce que nous avons là, c'est blender, on va l'utiliser pour craser glace là. On est pour glace grager, nous allons ouvrir pour faire ce tour. Ok, eh bien, avant d'utiliser pour craser glace là, n'a mettre dans le freezer pour le freeze. OK, n'a mettre pour blender dans le freezer pour sortir freeze. Donc ou t'as bon bien en vin qui givré. OK, on va mettre dans le freezer. Nous faisons ça déjà pour sirop en cocoïa. OK, avant arriver à un certain moment, n'a mettre un bouchon essence vanille là-dedans. N'a mettre deux bouchons
essence anis là. Et puis n'a quitté le continuer bouilli réduit. OK, essence sirop cocoïa lui-même il prend moins temps, il est apparé. OK, n'a tente toujours pour sirop blanc. OK, bon, là nous va faire sirop coco fin ferme. Là, nous gagnons sirop cocoïa. OK. Mettez quantité dans le jeu là. Mais même nous pas rien à faire là-dedans encore. OK. Si vous ça pareil. Maintenant, on fait premier sirop grenadier. OK. Une quantité ça là. Et puis juste mettre je concentre les grenadiers noirs là. Nous mettez petit bol noir en 3/4 et puis le ça c'est grenadier mélanger yo. OK, moi on va gagner. OK, maintenant on nous fait sirop rouge noir. Et puis avec colorant ça qui est à base de fraise rouge là, on a mis un bouchon, on met ton bouchon ici pour être sûr que la rouge assez. Mélange. Voilà, on a notre sirop rouge. On a les bouts de sirop vert là. Voilà. OK. Grenadier, cocoyer, grenadier, rouge, vert et puis blanc. Bon, il que blanc, pas bah, vraiment blanc, j'en ai dit noir. Cannelle là, tu as décoloré. Si on veut le plus blanc, juste pas mettre. Juste pas mettre cannelle. Cannelle avec anis. Yeah. Mais moi, j'ai priorisé le goût sur la couleur. Oh, dans blanc, on va ajouter anis. L'essence anis. C'est dans le début de la bouillie à me débiter. Oh, ça, ça, ça. OK. Ah, justement, parce que tu sors si vous voulez, il y a un goût à tout. Voilà. OK, bon, mais quand il y a là, nous allons passer à la glace là. OK. OK, nous sommes en train de faut mettre un verre ou bien pot blender à givré, faut mettre dans le freezer pour bien glacer. Nous mettez glace là dedans, kounya là, nous va casser glace rapidement. Alors, gagne une fonction blender qui est pulse, P U L S E. OK, c'est avec nous ca mouler glace. OK, la pesel. OK. Maintenant, avec nous changer qui est ça, qui est glace là. On prend la glace et puis mettez nos cups. Pas mis sur fil. OK, ça a fini.
Ok, il y a 5 presque au niveau là. Maintenant, on va ajouter du sirop. On va peut-être commencer avec sirop cocoïa. Ok. Ok, le temps de sa présentation est mettre dans le freezer. Ok, grenade à cunha. C'est presque comme une boîte, c'est là. Ça, c'est tout un art que je ne maîtrise pas. Je vais boire ça, j'ai un renouvel là. Ok, si vous voulez, je vous dis. Si vous avez un peu de feu pour faire faillite dans le lieu, dans chaque coup, vous avez des piles si vous avez. Oui, oui, oui. C'est avantage de faire la carreau. J'ai goûté le terrain pour ma chambre de personne parce que vous dites, ah, vous avez un peu de feu. Pas de feu là. Mais vous avez la carreau, puis quand vous avez un peu de feu, dernier lieu, sirop blanc. Ok. Mais c'est ce que nous avons fait. On a fait pour la présentation. Nous avons fait sirop pour plusieurs jours. Glace là, c'est juste moulé dans un blender, mixé dans un blender, dans un food processeur et puis bâton. Ok, pour nous craser chaleur. Et comme si nous avons déjà dit que nous avons déjà fait 33 degrés aux zones de 2h-3h. Donc, jusque là, il fait chaud. Ok, bon, malheureusement, si vous faites avec sucre. Je vais faire calme, écraser chaleur avec elle. Mais la goûteuse là, pour rapidement dire est-ce que c'est fresco de manger et que je vais prendre, acheter devant Kaimé Boudon. Bon, ça pille beaucoup. Il y a plus de sirop, etc. Mais est-ce que c'est plus de sirop? Oui, c'est certain, je vais me battre un goût de sirop, puis bien. Salut tout le monde, c'est toujours le même plaisir.
Bon, commencez à blanc. Qui est bon, glacier en bas, voilà le nom de glacier. Mais bon, le pied est là. Ni goût, mais si ça veut, ou tu sais, Anis Lagbaye, les comptes blancs. L'école là, on peut moins planter parce qu'on va vite assez. Assez-y, Anis. Bien, mais si c'est bien. Là, qui est bon, hein. On a des jeunes, hein? Des graines, hein? Oh, Grenadia, justement, Brémel. Les oui. Gars ont un petit goût sur Grenadia, Brémel. Comme son Grenadia. Comme Grenadia est notre préféré, mais je Grenadia est un jus préféré. Donc, moi, c'est même si on va dire que Grenadia, on ne peut pas connaître ces Grenadia, il y a toujours Brémel, parce qu'il va me boire. Ou bien le fond. Parce que bien là, on bouffe ce qu'on a, justement. Eh bien, peut-être si au blanc, après, même si il va le mettre en deuxième, il va changer. Il va passer sous l'île, il va dire bon, songez, il est en fait là. C'est Bailly. Bailly et Bibouel. Moi-même, pas blanc. Pour l'homme, on a fait mise en place là, préparer cet espace là. Donc, si on a gagné. En pile temps, là-dedans. Il y a là tout, la saguette, et bien, quand on bouge là, la saguette, on prend une pile là-dedans. Tant le point, parce que ma mère va être trop douce, mais en même temps, on dit j'en perdu. Oui. Tant, alors. Fresco. Regardez-moi ça. Pourquoi il y a, qui s'était préféré, sinon c'est tout le monde. Comme ça, on va en bas. Et même moi, là, je vais te l'attendre. C'est dans le goût. Votre problème, il est sensible. Ok. Il va me battre contre toi. Et puis, on va mettre tout de suite là, sur ma coco. Mais sinon, on goûte au chaque. Ça, moi personnellement plus satisfait de là jusqu'à présent que je dirais mais c'est Grenadia. Mais ça qui bon goût fresco petit pic là c'est vert là. Okay. Alors, ça par contre ça crive le pion. Mais il y a style goût, hein, il y a style bon. Mais on a parlé de ça qui rapprochait le plus de fresco qu'on mangeait devant l'école là, ou qu'on boit devant l'école là. C'est bien là. Donc en fait, c'est bien là qui est champion, on a dit. Mais pour mon goût personnel, c'est Grenadia mon préféré. Ok. Bon, donc la Grenadia. Tu te donnes des couleurs à son mec. Oui, perfectly perfect. Bon, eh bien, nous allons commencer à retourner et hein, où ça qui t'est baissé en face, non? Si tout le monde qui est à peu près là, là, avait mieux parce que Fresco, c'était un incontournable. Hein? Lorsque tout est sorti de l'école, pour prendre Fresco, c'était un must. Il faut avoir Fresco. Bon, il va toujours bien qu'on peut prendre Fresco à Cocoïa, mais petit blanc, pour prendre tout le monde de la dedans. Mais quand il y a là, comme Charlie a commencé à monter en pile côté, même Canada. Donc, nous allons commander à craser Charlie avec un bon Fresco à la haïtienne. Ok? Je vais vous rendez-vous pour une prochaine recette côté de l'autre. Recette typiquement haïtienne. Combien de nous là que vous mangez bonbon sirop? Hein? Même moi, je ne sais pas. Oui, machin, vous êtes bon pour me dire. Dites-vous, bah, surtout machin, qui pour me dire, même avec pain patate. Eh bien, nous allons montrer nous, la prochaine recette là, comment vous faites bonbon sirop. Pareil. Ok? À bientôt pour notre recette. La fonte est admirée. Ah, que de souvenirs, hein? C'est quoi pistache là? Admire, admire, bois des yeux, bois des yeux.
officiellement pour été, mais nous pas loin été à là et grand pile côté qui commençait faire chaud. Même côté il y a là jodi à là, il était fait 33 degrés zone 2-3 heures. Ça veut dire il commençait faire chaud. Eh bien, monde qui t'a prendre des fresco yo, eh bien ballon. OK, nous pas besoin de temps de commencer faire 36 degrés à Haïti là ou peut-être 40 degrés parce que les grands années songer 2017 ou 2018, vous t'es pour 40 degrés. OK? Bon. Alors même mon Canada au semaine qui passé là, il y a sorti pour 26 degrés, ça veut dire comment c'est fait chaud. Eh ben nous connaissons, il y a une boisson qui est de nous pécher chaleur, c'est fresco. Soit à l'étranger surtout, on peut dire facile. Bon, il y a côté qui gagne des petits variants qui semble avec IC, qui semble avec fresco, mais soit envie replonger dans fresco de qu'on voit en Haïti. Le fresco, moi-même, dès qu'on achète sur route d'Elma, mais plus sur route la Lua, eh bien, c'est fresco ça que nous allons faire. Nous allons faire sirop original haïtien fresco, nous remets. OK? Avec petit goût essence anis là. OK? Et bon, de toute façon, il faut nous chercher jaune. Bon, le monde qui est en Haïti, on a besoin parce que le machin fresco, de toute façon, c'est lié à utiliser Gael disponible en Haïti. Moi-même, je suis dans la maquette Saint-Domingue, je suis passé Saint-Domingue, je suis dans la maquette Saint-Domingue. Donc, bon, alors, si vous pas joué dans l'autre côté, je vais mettre le lien dans la description, je vais commander sur Internet. Parce que si vous n'avez pas fait sans extrait, sans essence anis là. OK? Donc, je dis à la, nous allons vous montrer comment vous faites boisson ça, pour vous faire un petit monde peut-être. Qui par contre fresco, vous comprenez? Replonger la dedans et nous-mêmes tout comme grand monde qui gagne autant de bon fresco, et bien désormais n'a pas faire avec recette ça. Merci pour tout le monde qui toujours like vidéo, yo. Like yo nous besoin, ok? Parce que plus on like, plus on interagit, plus on commente dans la vidéo, c'est plus YouTube qui offre le monde pour well. Et plus le monde qui well, chaîne n'a pas grandi. Et depuis chaîne n'a pas grandi, n'a pas joué toutes les recettes nous demandées. Donc, on ne peut pas perdre un yen, on ne peut pas déranger dans un yen sous like. Au contraire, on peut aider chaîne ou aimer, chaîne qui est utile ou avancer. Merci pour tout le monde qui va faire ça. Merci pour tout le monde qui est abonné. Voilà, actuellement là, nous avons 104 000 abonnés. Ok? Et puis, une merci spécial à nos membres. Ok? Mon ça, c'est le monde qui t'a cliqué à un moment donné sur le bouton join ou bien rejoindre et puis qui t'a choisi un plan. Si vous voulez supporter la chaîne dans tout, il y a une façon au café. Ok? Au café par PayPal, dans vos contributions sur gaspardorélien@gmail.com ou bien si ça n'a pas été au café par mon cash, ok? Dans le numéro ça, 36 72 25 58. Merci en pile pour tout le monde qui a supporté nous. On a regardé tout ça qu'on a besoin comme ingrédient et comme matériel pour nous faire sirop et fresco à la saveur, je veux dire. À tout de suite. Ça c'est ensemble ingrédients qu'on a besoin pour nous faire sirop pour fresco ensemble avec fresco de façon générale. Pour faire fresco, on a besoin c'est glace, OK? On a besoin blender pour deux raisons, pour deux causes. On a pour être puis devant, on a besoin un petit pistache, un petit noix avec un petit amande pour faire fresco. Alors, pour présenter fresco bien, on a besoin cup. Cup yo vanilla yo présenté là en Haïti. Quand on a fait 4 qualités sirop, on a fait 2 sirops à part. Nous gagne là 2 tasses sucre blanc. Nécessairement c'est sucre blanc boulier.
dans si on gagne pour nous faire yo nous va le faire sirop cocoyer là nous gagne yo deux tasselettes cocoyer n'a besoin de deux tasses de l'eau tout nous gagne pour faire sirop grenadier n'a besoin grenadier là là nous gagne 6 grenadier nous va extrait jus grenadier mais extrait concentré OK pour sirop grenadier nous a bien goût n'a besoin l'étoilé n'a besoin morceau cannelle. Une nan si on a fait aussi sirop vert, là nous gagnons un colorant vert ben qui est à base de menthe. Là nous gagnons un colorant rouge qui est à base de fraise. On a besoin essence vanille blanc. Et puis une nan indispensable essence n'a besoin pour nous faire sirop pour frescoa, c'est extrait d'anis ou bien essence anis. OK, là sous bagayel ou pas faire fresco haïtien. Voilà, c'est ensemble ingrédients sa yo avec matériel sa yo on a besoin pour nous faire fresco, sirop fresco qui pi populaire en Haïti. Grenadier, cocoyer, sirop vert, sirop rouge. Gagner deux chaudières mettez chaud là c'est nous allons faire deux sirops différents. Comme si on va faire c'est ça ou les sirops blancs sirop incolore là bien que il y a possibilité pour une petite couleur parce que nous allons prioriser quoi sous couleur. OK, mettez cannelle là pour le meilleur goût, mais il se peut que cannelle là coloré. OK, n'a commencé avec sirop blanc. Si vous avez deux sirop blanc, mettez deux tasses l'eau. OK, n'a mettez nous mettre en pile pour pas trop colorer tout. Un petit morceau cannelle, n'a mettez deux trois à l'étoile là-dedans, et puis n'a mettez une tasse sucre pour deux tasses d'eau. OK, nous allons faire sirop là, son demi tasse, et mettons l'autre demi tasse encore qui fait une tasse. Là, on a quitté la bouille. Maintenant, deuxième sirop on va le faire, c'est sirop et puis faut haïtien était toujours aimé hein, que on peut pas pas acheter à tout longtemps. C'est cocoyer. Mais ça fait qui était toujours un biche. Là, il y a deux tasses lait cocoyer. OK? Et bien, on a mettre là dans tout en deux tasses lait cocoyer. Deux, on tasse sucre tout. OK? Donc là, voilà. On tasse sucre. Et puis, pour ne pas le goût toujours, on va mettre un petit morceau cannelle avec deux, trois à l'étoile. OK? Et bien, si vous ça là, on va le quitter jusqu'à ce que sucre la fond avant on a fondi boissel ou de sucre, le sucre là aller fondre vite. OK, OK, là fond quitter là réduit jusqu'à 30 à n'importe 40 minutes. OK, pour si on a fait des cas peut-être demander plus de temps, mais en attendant 30 à 40 minutes à supposer suffisant pour que si on a fait. OK, pendant si on a fait là, nous allons occuper de l'autre baguette. OK, pendant si on a bouilli, parce que ça va prendre un petit temps, on commence à préparer un jus n'a besoin pour nous faire un sirop. C'est sirop grenadier. OK, eh ben on va commencer, nous allons chercher et prendre extrait sirop jus grenadier concentré. OK, juste couper. OK, on va juste couper grenadier. OK, et puis mettez-le dans le blender.
jouer jus grenadier concentré pour qu'il vraiment un bon jus grenadier, pour mettre un de l'eau là-dedans. On va juste blender. Ok, il y a un bon. Ça m'a fait, c'est juste verser, passer le passoir, puis avec une cuillère. Ouais, c'est la fait un crème de grenadier, c'est même j'en ai fait. Ok, pour nous jouer un jus grenadier concentré qui est bon bois. Ok, bonjour grenadier. Nous allons mettre de l'eau liquide là-dedans du tout. Ok, pour nous là, nous gagnons un jus grenadier non très concentré. Ok, nous finissons avec l'étape ça. Ok, là nous remarquons qu'il y a quelques graines grenadier qui écrasent, qui passent dans le passoir de l'étudiant. C'est un gros passoir qui gagne un gros jus. Là, nous prenons une décision par soi qui est plus petit pour recouler. Ok? Comme ça, nous avons un jus grenadier qui est sans tache. Ouais, tu vois ça qui est passé dans notre gros passoir. Il y a un passoir qui est plus fin. Ok? Nous repassons pour que le petit morceau de grenadier qui est passé. Là, nous suivons tout à l'heure. Tout à fait, même si nous avons un passoir. Bonjour, vous faites un petit passoir qui fait. Vous en avez regardé là. Ok, nous avons toute quantité de graines qui cassent, qui sont là-dedans. Donc, avec un petit passoir qui fait ça, vous comprenez? Vous dire merci pour suivre ça. Nous avons bien des graines qui cassent, résidus de graines, grenadières qui sont. Ok, voilà. Là, nous avons un jus qui est non seulement concentré, mais qui est pur. Ok. Parti ça là, fini paré. On retourne qu'on y a là dans si bois. Ok, alors nous songeons de parler nous de cannelle avec l'étoile qui va colorer de l'eau si bois nous. Mais ça n'a fait. Là nous estimons grenadier bouilli avec si bois assez. Là, et pas grenadier non. Cannelle avec l'étoile bouilli avec assez. Donc, quoi nous avons besoin de tirer de cannelle là nous gagnons. Eh bien, on a pu tirer yo. Ok, parce que plus vous quittez, c'est plus possibilité de gagner pour colorer si vous là. Donc, on a retiré. Là, nous prenons le goût cannelle là déjà. On a retiré le tout. Cannelle à l'étoile, non. Si vous cocoïa. Ok, cocoïa, ça nous vient bien là. On a le vin tant coup. Il y a une espèce de crème cocoïa. Nous avons une crème cocoïa. Il y a une boîte dans la maquette. Il même ou plus utilisé pour faire dessert au lieu de lait de cocoïa. Il faut faire la différence entre lait de cocoïa et sirop cocoïa. Donc, l'eau bouillie là avec sucre là, il vient boire exactement le même goût. Ok? Avec crème cocoïa. Donc ça veut dire, on dit sous table fait pina colada, ok, ou pas joindre crème cocoïa acheter ou café ou même. Et, pina colada, c'est pas avec lait de cocoïa le fait, non, le fait avec crème cocoïa. Ok, bon, si vous nous venez à quitter au réduit toujours, ok, et puis après. Nous allons passer dans notre phase. Ok, alors, il y a une astuce que je vais vous donner. C'est blender, on va l'utiliser pour craser la glace. Là. Nous allons pour la glace grager, nous allons ouvrir pour faire ce. Ok, eh bien, avant d'utiliser pour craser la glace, là, on va mettre dans le freezer pour le freeze. Ok, on va mettre pour blender dans le freezer. Pour le sortir freeze, d'un coup, tu as bon bien en vin qui givré. Ok, on va mettre dans le freezer. Nous faisons ça déjà pour sirop en cocoïa. Ok, avant, arrivé à un certain moment, nous mettez un bouchon essence vanille là-dedans. Nous mettez deux bouchons
essence anis là. Et puis on va quitter le continuer bouilli réduit. OK, essence sirop cocoïa lui-même il prend moins temps, il est emparé. OK, on attend toujours pour sirop blanc. OK, bon, là nous allons faire sirop coco fin ferme. Là, nous gagnons sirop cocoïa. OK? Mettez la quantité dans le jeu là. Mais nous allons faire la donne encore. OK? Si vous ça, pareil. Maintenant, on fait le premier sirop grenadier là. OK? Mettez la quantité ça là. Et puis, juste mettre le jus concentré grenadier noir là. Nous mettons le petit bol noir en 3/4. Et puis, le reste là c'est grenadier. Nous mélangeons. Ok, moi. Oh my god. Ok, maintenant, on nous fait sirop rouge noir. Et puis, avec colorant ça qui est à base de fraises rouge là, on va mettre un bouchon. On va mettre un bouchon ici. Je suis sûr que la rouge assez. Mélange. Voilà, on a notre sirop rouge. On a les bons sirop verts là-bas. Cocoyer, grenadier, rouge, vert et puis blanc. Bon, il que blanc, pas vraiment blanc, je ne dis noir. Bon, cannelle là, tu as décoloré. Si on veut le plus blanc, juste pas mettre. Juste pas mettre cannelle. Cannelle avec anissa. Yeah. Mais moi, j'ai priorisé le goût sur la couleur. Oh, dans blanc, on va ajouter anissa. L'essence anissa. C'est dans la début de la bouillie à MDVD. Oh, oui, ok. Ah, justement, parce que tu as dit que tu as un goût à tout. Voilà. Ok, bon, mais quand il y a là, nous allons passer à la glace là. Ok? Ok, nous sommes en train de dire mettre un verre ou bien pot blender à. Givré, il faut le mettre dans le freezer pour bien glacer. Vous mettez glace à la dedans, vous pouvez casser le glace là rapidement. Alors, il y a une fonction blender qui est Pulse, P-U-L-S-E. Ok, c'est avec nous qui un moulin glace. Ok, la pesée. Ok, maintenant, avec nous changer qui est ça, qui est glace là. Après, on prend glace et puis. Et puis mettez nos cups. Pas mis sans pile. Ok, ça a fini. Je
on est gras. Encore. Ok, il y a 5 frisco-nous là. Maintenant, on va ajouter du sirop. On va peut-être commencer avec sirop cocoïa. Ok. Ok, le temps de sa présentation, on met-il dans le freezer. Ok, grenade à Kounia. Presque comme boire c'est la qui est là, ça c'est tout un art que je ne maîtrise pas. Ma pas boire seul d'un coup j'ai un bon là. Ok, si vous vous jouez là. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez faire un peu de temps. Dans chaque cas, vous avez des piles si vous avez. Oui. C'est avantage de faire la carrière. J'ai vous mettre dans la boue, ma chante, parce que vous me dites, ah, vous avez si vous avez. Pas que si vous avez là. Mais vous faites la carrière, parce que quand vous si vous voulez. Dernier lieu, sirop blanc. Ok. Mais c'est ce que nous avons fait pour la présentation. Nous avons fait sirop pour plusieurs jours. Glace là c'est juste et moulin dans un blender, mixer dans un blender, un food processeur et puis bâton. Ok, pour nous craser chaleur. Et comme si nous goûtons, nous avons dit nous avons déjà dit fait 33 degrés aux zones de 2h-3h. Donc jusqu'à là, il fait chaud. Ok, bon, malheureusement, si vous faites avec sucre. Je vais faire calque, écraser chaleur avec. Mais la goûteuse là, je vais rapidement dire est-ce que c'est fresco de manger et que je vais prendre, acheter devant Kaimé Boudou. Bon, ça, puis bon. Mais plus sirop, etc. Mais est-ce que le sirop est plus sirop? C'est certain que je vais prendre du sirop, puis bien. Salut tout le monde.
c'est toujours le même plaisir. Bon, commencez à blanc. Qui est beau, glacé en bas, voilà le nom de glacé. Mais le qui est là. Ni goût, mais si ça veut, vous dites c'est anis lac bailli. Les cons blancs. Les cons là, mais moins blancs, c'est parce qu'on va les casser. Assez si anis. Bien. Mais si c'est qui est là, il y a quelques moments. On a des jeunes, hein? Des graines, hein? Oh, Grenadia, justement, oui, mais. Les gars ont un petit goût sur Grenadia, oui, mais. Comme son Grenadia. Comme Grenadia est une offre préférée, mais je Grenadia est un jus préféré. Donc, moi, c'est même si on va dire que c'est Grenadia, ou pas connaître c'est Grenadia, il y a toujours qui remet, parce que le bon goût. Ou bien le fond. Parce que bien là, mon goût fresco, justement. Eh bien, peut-être si au blanc, par contre, c'est pas de mettre en deuxième, il va changer. Il est passé sur les lags, il est en train de dire, bon, songez, il est en fait là. Pour moi, c'est Bailey. Bailey et puis Bouel. Moi, même pas là. Pour l'homme, il a fait mise en place là, préparer cet espace là. Donc, si moi, j'ai en pile temps là-dedans. Bien là, tout, la sagette, et bien, on bouge là. Dans le coin, parce que ma mère va être trop douce, mais en même temps, on dit j'en perdu. Oui. Temps, alors. Fresco. Regardez-moi ça. Cocoya, qui s'était préféré, sinon c'est tout le monde. Je vais prendre ça en bas. Et même moi, la nappe qui est là. C'est dans le goût. Votre problème. D'être sensible. Il va me battre après toi. Et puis, on va mettre tout de suite là. Mais sinon, je goûte au chaque. Ça. Moi, personnellement, plus satisfait de lui là, jusqu'à présent, que je dirais, mais. C'est Grenadia. C'est Grenadia. Mais ça qui bon, goût. Fresco. Fresco, petit pic là, c'est vert là. Ok. Alors, ça, par contre, ça crive l'autre. Mais il y a style goût, hein, il y a style bon. Mais on a parlé de ça qui rapprochait le plus de Fresco, nous devons manger devant l'école là, nous devons boire devant l'école là. C'est bien là. Donc en fait, c'est bien là qui est champion, on l'a dit. Mais pour mon goût personnel, c'est Grenadia mon préféré. Ok. Bon, il est mal à Grenadia. Tu te donnes quelle couleur à ce moment? Oui, perfectly perfect. Bon, eh bien, nous allons commencer à retourner et hein, où ça qui t'est bercé en face, non? Si tout le monde qui est à peu près là, là, même mieux, parce que Fresco, c'était un incontournable. Hein? Donc, tout le monde l'école, pour prendre Fresco, c'était un must. Il faut avoir Fresco. Bon, on va toujours bien comprendre pour prendre Fresco à Cocoya, mais petit blanc, pour prendre tout le monde de la dedans. Mais on y a là, comme Charlie a commencé à monter en pile côté, même Canada. Donc, nous allons commencer à craser Charlie avec un bon Fresco à la haïtienne. Ok? Je vais vous rendez-vous pour une prochaine recette, côté de Balfour l'autre. Recette typiquement haïtienne. Combien de nous là que tu as mangé bonbon sirop? Hein? Mais moi, je ne sais pas comment. Oui, machin, tu as pour promener. C'est ton bail, surtout machin, qui a promener, même avec les pains patates. Eh bien, je vais montrer nous la prochaine recette là, comment tu as fait bonbon sirop. Pareil. Ok? À bientôt pour notre recette. À fond, tu as dit. Ah, que de souvenirs, hein? Quoi, pistache là? Admire, admire, bois des yeux, bois des yeux.
Hello, hello, hello tout le monde. Officiellement, nous avons été, mais nous pas loin. Été à là, et grand pile côté qui commençait à faire chaud. Même côté, il y a là, jeudi à là, il était fait 33 degrés, zone 2-3 heures. Il dit, il commençait à faire chaud. Eh bien, les gens qui ont pris des frescos, eh bien, bah, okay? Nous avons besoin de temps de commencer à faire 36 degrés à Haïti, ou bien 40 degrés, parce que les gens ont des besoins. 2017 ou 2018, vous êtes pour 40 degrés. Ok? Bon. Alors, même mon Canada, la semaine qui se passe là, ils sont pour 26 degrés, ça veut dire comment c'est fait chaud. Eh bien, nous connaissons, il y a une boisson qui est de nous baisser chaleur, c'est fresco. Soit l'étranger, surtout, je ne dis pas facile. Bon, il y a un côté qui a des petits variants, qui semble avec IC, qui semble avec fresco, mais si on a envie de replonger dans le fresco, nous devons évoluer en Haïti. Fresco, moi-même, dès qu'on achète sur route Delmar, mais plus sur route La Lua, eh bien, c'est fresco ça que nous allons faire. Nous allons faire sirop original haïtien fresco, nous remet, ok? Avec petit goût essence anis là, ok? Et de toute façon, il faut chercher jaune. Bon, monde qui est en Haïti, on a besoin de parce que machin fresco, de toute façon, c'est lieu utilisé, gain disponible en Haïti. Moi-même, dès qu'on est dans la maquette Saint-Domingue, l'été passé Saint-Domingue, dès qu'on est dans la maquette Saint-Domingue. Donc, bon, alors, si vous pas joindre ni dans l'autre côté, je vais mettre le lien dans la description, je ne vais pas commander sur Internet. Parce que si on n'a pas fait sans extrait, sans essence anis. Là. Ok? Donc, je dis à la, nous allons montrer nous comment vous faire boisson ça, pour vous faire un petit monde peut-être qui pas contre fresco. Vous comprenez? Replonger là-dedans. Et nous-mêmes, tout, comme grand monde qui a longtemps pas contre fresco, et bien désormais, nous allons faire avec cette ça. Merci pour tout le monde qui toujours like vidéo yo. Like yo nous besoin. OK? Parce que plus on like, plus on interagit, plus on commente dans vidéo, c'est plus YouTube qui offre le monde pour well et plus monde qui well, chaîne n'a grandi et depuis chaîne n'a grandi, n'a joindre toutes recettes nous mandé. Donc, on pas perdre rien, on pas déranger dans rien sous like. Au contraire, on peut aider chaîne ou aimer chaîne qui est il doit avancer. Merci pour tout le monde qui va faire ça. Merci pour tout le monde qui est abonné. Voilà, actuellement, là, nous avons 104 000 abonnés. Okay? Et puis, merci spécial à nos membres. Ok? Mon sao, c'est le monde qui a cliqué à un moment donné sur le bouton Join ou bien Rejoindre et puis qui a choisi le nom blanc. Si vous voulez supporter la chaîne dans tout, vous avez une façon au café. Ok? Au café par PayPal. Dans vos contributions là sur gaspardorelien@gmail.com ou bien si ça n'a été ouillé au café par mon cash, ok, dans le numéro ça 36 72 25 58. Merci un pile pour tout le monde qui a supporté nous. On a regardé tout ça a besoin comme ingrédients et comme matériel pour nous faire sirop et fresco à la saveur. Attention. Ça c'est ensemble ingrédients on a besoin pour nous faire sirop pour fresco ensemble avec fresco de façon générale. Pour faire fresco après on a besoin c'est glace, OK? On a besoin de blender pour deux raisons, pour deux causes. On a pour être puis devant, on a besoin un petit pistache, un petit noix avec un petit amande pour faire fresco. Alors, pour présenter fresco bien, on a besoin cup. Cup yo vanilla yo présenté là en Haïti. Quand on a fait 4 qualités sirop, on a fait 2 sirop à part. Nous gain là 2 tasses sucre blanc,
nécessairement c'est sucre blanc boulien. Dans le sirop pour nous faire, nous allons faire sirop cocoyer. Là, nous avons 2 tasses de cocoyer. Nous avons besoin de 2 tasses de l'eau. Tout. Nous allons faire sirop grenadier. Nous avons besoin de grenadier. Là, nous avons 6 grenadier. Nous allons extraire jus grenadier, mais extrait concentré. Ok? Pour si vous grenadier nous a bien goût. Nous avons besoin d'étoiler, nous avons besoin de morceau cannelle. Une si on a fait ce sirop vert, là nous gagnons un colorant vert ben, qui est à base de menthe. Là nous gagnons un colorant rouge qui est à base de fraise. Nous avons besoin d'essence vanille blanc. Et puis, une indispensable essence nous avons besoin pour nous faire sirop pour frescoa, c'est extrait d'anis ou bien essence anis. Ok, là sous bagayel ou pas faire fresco haïtien. Voilà, c'est ensemble ingrédients sa yo avec matériel sa yo on a besoin pour nous faire fresco, si au fresco qui pi populaire en Haïti. Grenadia, cocoyer, sirop vert, sirop rouge. Gagner deux choses à mettre chaud là, c'est nous allons faire deux sirops différents. Premier sirop, nous allons faire c'est ça, le sirop blanc, sirop incolore là. Bien que il y a possibilité pour un petit couleur parce que nous allons prioriser goût sous couleur. Ok, mettez cannelle. Cannelle là, nous allons le meilleur goût, mais il se peut que cannelle là coloré. Ok, nous commençons avec sirop blanc. Si vous avez deux sirop blanc, mettez deux tasses. Ok, on va mettre en pile pour ne pas trop colorer et tout. Un petit morceau cannelle. On va mettre 2-3 à l'étoile là-dedans. Et puis on va mettre une tasse de sucre pour 2 tasses d'eau. Ok, on va faire un sirop. Là, c'est une demi-tasse. Okay. Mettons l'autre demi-tasse encore. Qui fait une tasse. Là, on a quitté la bouille. Maintenant, deuxième sirop on va le faire, c'est sirop pifo haïtien était toujours aimé hein, que on pile dans le pas acheter à tout longtemps. C'est cocoyer. Mais ça le fait bonne bichet. Qui était toujours bonne bichet. Là, on a 2 tasses lait cocoyer. OK? Et bien, on va mettre là dans tout. 2 tasses lait cocoyer. 2 on tasse sucre tout. OK? Donc là, voilà. On tasse sucre. Et puis pour nous balle goût toujours, on va mettre un petit morceau cannelle avec 2-3 les doigts. OK? Et bien si vous ça là, on va le quitter jusqu'à ce que sucre la fonde. Avant on a fondu boissel pour être sûr que sucre la aller fondre vite. Ok. Ok, là fond quitte la réduit jusqu'à 30 à n'importe 40 minutes. Ok, pour si on a fait. Il peut-être peut demander de plus de temps, mais en attendant 30 à 40 minutes à supposer suffisant pour que si on a fait. Ok. Pendant si vous a fait là, nous allons occuper de l'autre baguette. Ok, pendant si vous nous a bouillé, parce que ça va être un petit temps, on commence à préparer une jus n'a besoin pour nous faire une sirop. C'est sirop grenadier. Ok, eh bien, on commence à chercher et prendre extrait sirop jus grenadier concentré. Ok, juste couper. Ok, on a juste coupé grenadier. Ok. Et puis, mettez-vous dans le blender.
pour nous jouer un jus grenadier concentré, pour qu'il y ait vraiment des bons jus pour grenadier, on va mettre un peu de l'eau là-dedans. On va juste blender. Ok, il est un bon. Ce qu'on a fait, c'est juste verser, passer le passoir. Puis, avec une cuillère. Ouais, si on a fait un crème de grenadier, c'est le même genre qu'on a fait. Ok, pour nous jouer un jus de grenadier concentré qui est bon bois. Ok, bonjour grenadier. Nous allons mettre de l'eau liquide là-dedans du tout. Ok, pour y a là, nous gagnons jus de grenadier très concentré. Ok, nous finissons avec l'étape ça. Ok, là nous remarquons qu'il y a quelques graines de grenadier qui écrasent, qui passent dans le passoir de l'étudiant. C'est un gros passoir qui gagne gros jus. Là, nous prenons l'excision passoir qui est plus petit pour recouler. Ok? Comme ça, nous avons un jus grenadier qui sans tache. Ouais, tu vois ça qui est passé dans notre gros passoir. Il y a un passoir qui est plus fin. Ok? Nous repassons. Donc, un petit morceau de grenadier qui est passé. Là, nous suivons tout à l'heure. T'as fait, même si nous avons un passoir. Bonjour, vous faites un petit passoir fin. J'en ai regardé là. Ok, nous avons toute quantité de graines qui cassent, qui t'aident là-dedans. Donc, avec petit passoir fin, ça, vous comprenez? Je vous dis merci pour l'astuce ça. Nous avons bien un grain qui cassent, résidu de graines grenadier qui l'aident. Ok, voilà. Là, nous avons un jus qui non seulement concentré, mais qui pur. Ok. Parti ça là, fini pareil. On retourne qu'on y a là dans six mois. Ok, alors nous songe nous parler nous de cannelle avec l'étoile qui pour le colorer de l'eau six mois nous. Mais ça n'a fait. Là nous estimer grenadier bouilli avec six mois assez là et pas grenadier non. Cannelle avec l'étoile bouilli avec assez. Donc quoi nous t'ai besoin tirer de cannelle là nous gagne. Eh bien, n'a pas tirer yo. Ok, parce que plus vous quittez, c'est plus possibilité de gagner pour colorer si vous voulez. Donc, on va retirer. Là, nous prenons goût cannelle là déjà. On va retirer tout. Cannelle à l'étoile, non. Si vous cocoïa. Ok, cocoïa, ça nous vient bien là. On a le vin tant coup. Il y a une espèce de crème cocoïa. Nous avons une crème cocoïa. Il y a une boîte dans la maquette. Il même ou plus utilisé pour faire dessert au lieu de lait de cocoïa. Il faut faire la différence entre lait de cocoïa et sirop de cocoïa. Donc, le bouillon là avec ce sucre là, il vient boire exactement le même goût. Ok? Avec crème cocoïa. Donc ça veut dire on dit sous table fait piña colada. OK, ou pas joindre crème cocoïa acheter ou ka faire ou même. Et piña colada c'est pas avec lait de coco il fait, non, il fait avec crème cocoïa. OK. Bon. Si vous nous